Salut à toutes et à tous, c'est Goto de Miwa, j'espère que vous allez bien, on se retrouve pour une nouvelle vidéo de mission sur Crisis Core Réunion pour changer. Et vous voyez qu'on a terminé la catégorie 5 pour le moment dans le chapitre 2, on va attaquer la catégorie 6. Et là encore une fois, ça peut aller très très loin. Donc on va commencer avec des missions très simples et très vite, ça va devenir compliqué. Ici on chope une queue de phénix, donc ça a le même effet que la potion phénix que je vous ai présentée dans les vidéos précédentes, c'est simplement si vous l'utilisez, ça va vous octroyer l'état vie, en fait, tout simplement. Donc ça va vous protéger contre une mort en particulier. Une fois que vous l'avez utilisé, bien évidemment, vous ne serez pas ressuscité une deuxième fois. Alors là, vous avez un premier coffre. Donc on est dans la mine. Vous voyez, c'est... Ah, ça a été super bien remake, c'est un truc de ouf, c'est génial. On a un petit coffre ici avec une super popo, donc rien d'insane. Et vous voyez que le coffre se trouve juste là. La mine est grande, mais le boss est juste à côté. Vous allez voir que les combats sont relativement simples ici, vous allez rencontrer des Ahriman, des trucs comme ça. Pour ce combat, le seul prérequis, c'est la matéria glace. Avec la matéria glace, ça va être tranquille. Regardez, le premier ennemi, elle a un carré avec la glace. Boum, one shot. Alors si jamais vous ne one shotez pas, c'est pas dramatique, hein, bien évidemment. Vous n'hésitez pas à spammer, c'est sa faiblesse, donc ça va faire très très mal. Ensuite, pour les Ahriman, globalement, ils vont beaucoup utiliser la foudre. Donc faites attention, c'est des magies qui sont difficiles à esquiver. Hein, ça, la foudre, vous voyez, on diminue directement et très rapidement en vie. Donc là, on a une invulnérabilité magique. Quelle chance, franchement. Donc voilà. Si jamais vous galérez à parer la foudre, ce que vous faites, c'est que vous appuyez sur la touche R1. Si jamais vous sentez que vous allez manger le hit, vous voyez, ça vous permet de vous protéger. Alors, ils ont également une technique qui s'appelle Regard Poison, qui va diminuer, voilà, globalement, vos HP délicatement. N'y prêtez pas trop attention. Pour l'instant, on ne peut pas vraiment se protéger contre cette altération d'état, donc globalement, rien d'insane. Pour les Ahriman, vous faites carré, 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 vous terminez par un petit assaut cyclone, et ça fait carrément le café. Restez juste vigilant, comme vous avez pu voir avec la foudre, ça peut diminuer rapidement. Quand les deux sont contre vous, ça peut faire mal. Voilà, on a chopé une plume de phénix, ça va s'ajouter à vos objets. Vous pouvez l'utiliser à n'importe quel moment. Octroie l'effet bénéfique revie qui vous permet d'être animé une fois. Je vous conseille vraiment, vraiment pas de l'utiliser. N'oubliez pas que juste ici, en parlant à cette dame, vous avez moyen d'avoir la petite boisson potion phénix. Donc ça, ça sert à rien d'utiliser vos queues de phénix pour le moment tant que ça c'est disponible. Comme vous avez pu le constater, on débloque une nouvelle mission, donc on se retrouve tout de suite pour celle-ci.